Samedi 15 avril, la station d'Isola 2000 accueillait la dernière compétition de la saison, les championnats départementaux U12 à Master, avec un slalom parallèle sur le haut de la piste Coq. Celui qui va partir le plus vite, rouge prêt, bleu prêt, là vous partez. Non, faut pas ça. C'est les derniers réglages. Nous débutons avec les ouvriers. Tossard 1 et 16, Ardisson Constance d'Isola 2000 opposé à Murazano Roman de Valberg. Tossard 8 et 9, Basili Camille du Gazélec opposé à Gouillon Jade d'Isola 2000. Tossard 5 et 12, Parisot Louise d'Isola 2000 opposé à Roubaud Estelle de Valberg. Tossard 4 et 13, Rosselao Emma de Valberg opposé à Kela Machi Lisa d'Isola 2000. Et Tossard 6 et 11, Marcio Emily d'Interclub opposé à Carpi Matea de Valberg. Les Tossards 7 et 10, Blardone Aline d'Isola 2000 opposé à Lister Louise d'Interclub. Le Tossard 2 et 15, Marchez Olivia d'Interclub opposé à Esposito Carla d'Interclub. Les Tossards 3 et 14, Payel Marine d'Interclub, opposé à l'avocat Zoé de la Colmiane. Tossard 1, Ardisson Constance d'Isola 2000. Tossard 21 et 36, Lemeur Louis Maël Doron, opposé à Lemar Numa d'Isola 2000. 28, 29. Tossard 28 et 29, Lévi Emilio de Valberg, opposé à Lovasco Romeo de Valberg. Tossard 25 et 32, Barengo Quentin de la Colmiane, opposé à Denis Nino du club des sports de Casterino. Les Tossards 24 et 49, Moyer Nicoletta Raphaël de Valberg, opposé à Parks Madja d'Oron. Les Tossards 23 et 34, Lefage Jean d'Isola 2000, opposé à Fabre Antoine du club des sports d'Oron. 23-34. Tossards 26 et 31, Bonnet Jules de Valberg, opposé à Winter Ange d'Isola 2000. Et Tossards 27 et 30, Rostand Robin d'Interclub, opposé à Pori Ange d'Isola 2000. Les Tossards 22 et 35, Couchot Gaspard d'Interclub, opposé à Scala Charlie du club des sports de la Colmiane. 22-35. Le Tossard 4, Rossello Emma de Valberg. Tossard 41.
48, Dossard 48 et 49, Chex Julia de Valberg, opposé à Parks Madja du club des sports d'Oron. Les Dossards 45 et 52, Scrabo Angelina du Gazélec, opposé à Alangrin Lou d'Isola 2000. 45-52. Les Dossards 44 et 53, Magnani Fanny d'Isola 2000, opposé à Ravel Clémence de Valberg. Les Dossards 43 et 54, Mélan Lia d'Isola 2000, opposé à Budai Nina de Gréolière. Dossard 46 et 51, Loustalet Emi d'Interclub, opposé à Robin Roman du Gazélec. Les Dossards 47 et 50, Rizzo Jade du club des sports de Monaco, opposé à Payan Louise du club des sports de Valberg. Les Dossards 42 et 55, Ravel Emma de Valberg, opposé à Labrazo Lily d'Isola 2000. Nous passons au U14 garçons, Dossards 61 et 76. Fabre Alexis du club des sports d'Oron, opposé à Laneri de Preto Lucas du club des sports d'Oron. Les Dossards 68 et 69. Ginalo Nelio d'Isola 2000, opposé à Paschetti Clovis du Gazélec. Dossard 68-69. Abandon du 68. Blanc, le Dossard 72. H. Fabio d'Oron. Les Dossards 64 et 73, Sier Loris d'Interclub, opposé à Soletti Pracoso Hugo d'Isola 2000. Les Dossards 63 et 74, Barengo Antonin du club des sports de La Colmiane, opposé à Régoubi Gabriel du club des sports de La Colmiane. Les Dossards 66 et 71, Mesrine Alexandre d'Isola 2000, opposé à Leonelli Matisse du Monaco Ski Club. Les Dossards 67 et 70, Loustalet Kenzo d'Interclub, opposé à Martigue Romain de Valberg. Les Dossards 62 et 75, Marin Andrea du club des sports d'Oron, opposé à Léost Arthur d'Oron. Ici Tessa Vorley, double championne du monde de slalom géant, opposée à Julien Liseroux, vice-champion du monde de slalom et de combiné en 2009 à Val d'Isère. Nous assistons maintenant à un duel entre Mathieu Fèvre et Nastasia Nouens. La skieuse niçoise a décidé de prendre sa retraite à 34 ans après 134 départs en Coupe du Monde et 3 podiums. Les Dossards 81 et 96. Nedani Lisa du club des sports d'Oron, opposé à Ginola Elina de Monaco Ski Club. Les Dossards 88 et 89. Ramela Chiara d'Oron, opposé à Ravel Melina de Valberg. 85-92. Les Dossards 85 et 92. Beryl Marina d'Isola 2000, opposé à Pastor Lucia d'Oron. Les Dossards 84 et 93, Vigneron Océane d'Isola 2000, opposé à Besançon Clémence du Monaco Ski Club. 83-94.
Les dossards 83 et 94, Maro Sarah d'Interclub, opposé à Lefort Salomé du Gazélec. Les dossards 86 et 91, Marchez Cléa du Monaco Ski Club, opposé à Giusto Mathilde du Club des Sports d'Oron. Les dossards 87 et 90, Sinonio Pauline d'Isola 2000, opposé à Nicolo Lucille de Valberg. Les dossards 82, Léno Marilou d'Interclub. Les dossards 101 et 110, Nicoletta Luca de Valberg, opposé à Taurine Matisse d'Isola 2000. 101, 116. Le dossard 109, Strizewski Maxime d'Isola 2000. Dossard 109. Dossard 105 et 112, Toussaint Vincent d'Interclub, opposé à Parks Vega du Club des Sports d'Oron. Les dossards 104 et 113, Nedani Romain du Club des Sports d'Oron, opposé à Ast Clément du Club des Sports de La Colmiane. Les dossards 104, les dossards 103 et 114, Zampini Thibault d'Isola 2000, opposé à Catio Aurélien d'Isola 2000. Les dossards 106 et 111, Rossello Andrea de Valberg, opposé à Narodiski Tim d'Isola 2000. Les dossards 107 et 110, Cuvero Maxime d'Isola 2000, opposé à Taurine Matisse d'Isola 2000. Les dossards 102 et 115, Emeric Valentin du Club des Sports d'Oron, opposé à Baudin Tom du Club des Sports de Valberg. Nous passons au U18 garçons, les dossards 131 et 142. Stolear Evan d'Isola 2000, opposé à Terbesh Younes du Ski Club de Monaco. Les dossards 138 et 139. Rostan Hugo d'Interclub, opposé à Sartori Hugo du Gazélec. Les dossards 135 et 142, Sier Nicolas d'Interclub, opposé à Terbesh Younes du Monaco Ski Club. Les dossards 134 et 143, Marge Diego d'Isola 2000, opposé à Penalver Navarro Diego du Gazélec. Les dossards 133 et 144, Odo Noah d'Isola 2000, opposé à Beryl Hugo d'Isola 2000. Les dossards 136 et 141, Moulin Matisse d'Isola 2000, opposé à Goltz Adam d'Interclub. Les dossards 137 et 140, Pakis Tao d'Interclub, opposé à Marcelini Sébastien du Ski Club de La Colmiane. Les dossards 132 et 145, Colo Jules d'Isola 2000, opposé à Hafner Dylan du Gazélec. Ici, nous assistons au duel Jean Lafage d'Isola 2000 à Jules Bonnet de Valberg.
Alors que nous voici aux côtés de Romain Marie, nous allons descendre au pied de la piste pour passer directement au final. Petite finale, U16 garçons donc, qui oppose Aymeric Valentin dans le rouge à Vincent Toussaint dans le bleu. C'est très très serré de Luca Nicoletta à Thibaut Zampini dans le bleu. Allez Lucas! Lucas est en tête. Oui. Et Lucas qui s'impose avec Dem, avec. Anaïs M dans le rouge. Opposé à Carla Marin dans le parcours bleu. Petite finale du Dem. C'est parti. Avant Aline de Carla, confirmée à l'arrivée. Maëlys Nicoletta dans le parcours rouge, opposé à Julia Forte dans le parcours bleu. Donc finale aller, catégorie U18 dames. Quelle couleur? Maëlys, c'est rouge. C'est pas gagné. L'arrivée, c'est Maëlys qui s'impose avec. Avec Diego Penalver dans le bleu, Sébastien Marcellini dans le rouge. Une place sur le podium se joue sous vos yeux. N'hésitez pas à les encourager. Ah ouais. C'est un beau duel indécis. Et à l'arrivée, c'est Seb Noahodo dans le bleu. Ils sont partis. Que nous offre incroyable. Ces coureurs aujourd'hui. Et à l'arrivée, c'est Noah. Noah qui s'impose avec seulement 45 millièmes. On aura une manche retour avec Emma Rossello dans le parcours rouge, opposé à Olivia Marchez dans le parcours bleu. Emma a 53 millièmes de retard à récupérer. Et là, U12 dames avec Constance Ardisson dans le bleu, opposé à Marine Tailleul dans le rouge. Constance à 300 millièmes d'avance donc sur Marine. Elles sont parties. Allez Constance. Elles sont au coude à coude. Elle représente Valder sur son casque. Et Constance semble en avance. Marine revient. Et Constance pour U12 garçons donc. Avec Jean Lafage dans le parcours bleu, opposé à Raphaël Moyer, Nicoletta dans le parcours rouge. Jean Lafage a 39 sixièmes seulement de retard sur Raphaël Moyer. Ils sont partis. Jean dans le parcours bleu donc avec 39 sixièmes de retard. Allez, pousse Raph. Ah, petite faute. Ah bien, c'est bon, ça passe. Ça passe. Oui, ça passe. Allez, allez, ouais. Et donc, Raphaël. Il croche son podium. Il lâchera rien. Qui oppose Robin Rostand dans le parcours rouge à Louis-Mel Lemeur dans le parcours bleu. Robin a 300 millièmes de secondes à récupérer donc sur Louis-Mel. Mel dans le bleu, Robin dans le rouge. Louis-Mel toujours en tête. Et Louis-Mel qui s'impose donc. Passons au 8-14 dames avec la petite finale avec Lia Mélan dans le parcours rouge opposé à Johanna Roubin dans le parcours bleu. Johanna a 300 millièmes d'avance sur Lia. Lia dans le bleu. Johanna bleu. Elle a de l'avance. Johanna Roubin monte sur le podium de ses championnats départementaux. Et la grande finale qui oppose Angelina Scrabo dans le rouge, Eva Ravel dans le bleu, Eva à 300 millièmes d'avance. Et donc c'est Eva Ravel
Eva Ravel qui est championne départementale U14 et U14 garçon. Et on passe directement à la finale puisque Andrea Marin est troisième. C'est pas pour la course, le podium on s'en fout. Et donc la finale retour qui oppose Laurie Ciel dans le rouge à Antonin Baringo dans le bleu. Antonin qui a 300 millièmes d'avance sur Loris. C'est parti. Dans le rouge, Sarah Marot dans le bleu, Sarah qui a 300 millièmes d'avance sur Océane, elles sont parties ces demoiselles pour une place sur le podium des U16. Océane remporte la manche. Écoutez bien, Marie-Lou Léno dans le parcours rouge à 109 millièmes à rattraper donc sur Lisa et Dali dans le bleu, c'est parti. Ah magnifique, Marie-Lou est revenue. Est-ce que ça sera suffisant? Oui. Suffisant pour Marie-Lou qui s'impose donc avec Vincent Toussaint dans le rouge opposé à Valentin Emmerich dans le bleu. Emmerich qui doit rattraper 91 millièmes seulement. C'est un souffle, ils sont partis. Ah mais Vincent est toujours en tête, il tient sa place sur le podium Vincent. Confirmation à l'arrivée. Thibaut Zampini dans le rouge. Allez, et Nicoletta Lucas dans le bleu. Lucas Nicoletta à 300 millièmes d'avance. Ils sont partis. C'est la finale U16 homme. Ouais, Lucas qui s'impose. Lucas donc champion départemental. Les U18 dames à présent avec Carla Marin dans le rouge opposé à Naïs Aimé dans le parcours bleu. Naïs qui a 243 millièmes de retard sur Carla Marin. Carla dans le rouge toujours en tête. Et Carla donc qui va terminer sur le podium. Troisième place pour Carla Marin. Nicoletta dans le parcours bleu opposé à Julia Forte dans le parcours rouge. Julia qui a 214 millièmes de retard. Ouais, c'est très serré là. Et à l'arrivée, Julia remporte la manche. Qu'en est-il? Catégorie pour ces championnats départementaux. Oppose pour la petite finale Diego Penalver dans le parcours rouge à Sébastien Marcellini dans le parcours bleu. Diego à 88 millièmes de retard et il est en tête. Voilà Diego, dernière finale de ces championnats départementaux aujourd'hui à Isola 2000. On demande donc une acclamation pour ces deux champions. Qui vont s'élancer donc Noah Odo, parcours rouge opposé à Evan Stoléar dans le parcours bleu. Evan avec 45 millièmes de retard, il se bat, mais Noah est toujours en tête. Et à l'arrivée, c'est Noah qui s'impose. Victoire de Noah. Nous passons maintenant au podium. Et Mylène, l'honneur qui va lui remettre ça, voilà. Allez, on peut les applaudir bien fort. Oui, Gilbert. Du club de sport d'Oran, voilà.
Et c'est Mathieu Fèvre qui va lui remettre sa coupe. Et Caroline qui lui remet. Elle nous vient de Valberg, c'est Eva Ravel. Et Mathieu. Regardez là, Eva. La photo, la star. Voilà, allez, une belle photo là. Allez, bravo les gars, c'est bien. Bravo. Alors, on va venir, allez. Attention. Et le premier. Et là, c'est Nastasia. Ah, bah autrement, ouais, t'as raison. Mais alors, et Mathieu. C'est pour respecter ça. Carla, ouais, Carla. Et c'est Mathieu. Voilà. Le premier, c'est toi. Voilà, Mathieu. Et son président, Luc Morisset.